Descendant d'immigrés français huguenots installés en Allemagne, Hans Joachim était le fils du général-major Siegfried Georges Martin Marseille. Né le 13 décembre 1919 au 164 Berlinerstrasse à Berlin-Charlottenburg, il est un enfant physiquement faible, manquant de mourir d'une grippe très jeune. Il connaît aussi le divorce de ses parents et il grandira avec sa sœur Ingeborg, surnommée Inge, chez sa mère, ne voyant quasiment plus son père. Adolescent rebelle, manquant de discipline, il aime faire rire ses amis et se moque facilement de l'autorité, ce qui lui portera préjudice durant sa future carrière. En rupture avec son père, il peut compter sur le soutien de sa mère et de sa sœur. Considéré comme un élève paresseux, turbulent et facétieux, il prendra tout de même au sérieux ses études en obtenant son abitur, équivalent du bac en France, à seulement 17 ans. Il exprime le souhait d'intégrer l'armée de l'air. Hans Joachim n'est pas un grand sportif. Mais ayant reçu un bon rapport pour un mandat avec le Reich Arbeitsdienst, il rejoint la Luftwaffe le 7 novembre 1938 en tant que Fahnenjunker, c'est-à-dire cadet. Il reçoit alors sa formation militaire à Ködlingburg le 1er mars 1939 et il est transféré à la Luftkriegsschule près de Fürstenfeldbruck. Ses talents de pilote sont évidents, mais la discipline est un réel problème pour lui. La rigueur prussienne, alors en vigueur dans la Wehrmacht, n'est pas de son goût. Son côté taciturne lui valut une certaine méfiance de la part de ses camarades. Pendant sa formation de pilote, il ne respectait pas les altitudes de vol. Un jour d'exercice, il avait même atterri sur une autobahn, une autoroute fraîchement conçue, pour satisfaire des besoins naturels. N'en restant pas là, il simula même un combat face à un ennemi imaginaire. Cette dernière incartade lui valut d'être suspendu de vol et sa promotion retardée. Werner Schroer, futur as comme Hans Joachim, affirma que ce dernier était souvent privé de permission et recevait des corvées à la place, mais que bien souvent, il faisait le mur et se retrouvait dans des soirées entouré de filles. Le 1er mars 1939, il termine sa formation à la Jagdfliegerschule 5, près de Vienne. Cette école était commandée par l'as de la Première Guerre, Eduard Ritter von Schleich, et un de ses professeurs est Julius Arrighi, un Austro-Hongrois, lui aussi as de la Première Guerre mondiale. Marseille sort diplômé avec une évaluation exceptionnelle. Malgré son attitude, c'est un pilote d'une qualité rare. Le 10 août 1940, il rejoint une unité d'entraînement, alors basée à Marc, près de Calais, dans la Lehrgeschwader 2. Son attitude au vol vaut une notation exceptionnelle. Il obtient sa première victoire le 24 août 1940, lors de sa première journée de combat. Puis, lors de sa deuxième journée, il abat son deuxième appareil. Il sera décoré de la croix de fer, deuxième classe à l'issue. Trois jours plus tard, il obtient la croix de fer première classe, avec sa cinquième victoire. Il sera tout de même réprimandé pour non-respect des règles fondamentales de vol en combat aérien, car il abandonna sa formation pour engager l'adversaire seul. Il échappe de peu à la correction, grâce à une plongée abrupte vers la mer, puis un redressement au dernier moment pour échapper au tir ennemi. Il impressionne les observateurs, car ses victoires l'ont été face au mythique Spitfire. Si dans les airs il a un don, au sol il est encore puni et prend 5 jours d'arrêt. De plus, il est très loin de l'idéologie nazie. Il aime être une star, car il sait qu'il fera des conquêtes et qu'il sera invité dans les meilleures soirées. Pour la petite histoire, c'est son père qui l'initie à la vie nocturne. Cependant, il ne gardera proche de lui que la vie nocturne. Le 23 août 1940, lors d'un retour sur une mission d'escorte de bombardiers, il est touché sur Douvres, au large du Cap Grigny. Il doit abandonner son avion, qui s'écrase alors près de Calais. Marseille sera récupéré 3 heures plus tard, épuisé et souffrant d'hypothermie. Il sera envoyé dans un hôpital de campagne. En revenant dans son unité, il est sévèrement réprimandé, puisque pendant son dernier combat, il a abandonné son Staffelkapitän Adolf Bull, tué en vol durant son escorte. Le Gruppenkommandeur Ilfeld, pourtant élogieux à la fin de sa formation, décide de le retirer de la Lehrgeschwader 2. En octobre 1940, avec 7 victoires aériennes, il est transféré à la Staffelfir du Jagdgeschwader 2 und 50. Il rejoint Johannes Steinhoff et Gerhard Barkhorn,
Il va le perdre. 4 appareils au combat. Steinhoff dira plus tard de lui. Il était un pilote très doué, mais n'était pas fiable. Il avait des petites amies partout. Elles l'occupaient tant qu'il était parfois fatigué, au point qu'il fallait l'interdire de voler. Sa manière parfois irresponsable était la principale raison pour laquelle je l'ai viré. Mais il avait un charme irrésistible. Son penchant pour la musique jazz américaine, la rumba, les femmes et l'alcool poussèrent Steinhoff à transférer Marseille à la Jägdeschwader Sieben und Zwanzig le 24 décembre 1940. En rejoignant sa nouvelle unité, il a déjà une réputation qui n'est plus à refaire. Son nouveau Gruppenkommandeur, Edward Neumann, dira de lui « Ses cheveux étaient trop longs et il avait une liste de punitions longue comme le bras. Dans les années 60, il aurait été une star, un playboy. » Néanmoins, Neumann reconnaît le potentiel de Marseille comme pilote. Hans Joachim combattra brièvement en Yougoslavie avec cette unité, avant d'être déplacé en Afrique du Nord pour participer à la guerre du désert en tant que soutien aérien à l'Afrika Korps. Le 20 avril, volant vers Tripoli, son avion a des problèmes moteurs. Il est obligé d'atterrir dans le désert, loin de tout le monde. Après s'être posé, il retourne à sa base en stop dans un camion italien, puis avec l'Opel Admiral qu'un général allemand lui met à disposition pour pouvoir retourner à Tripoli. Néanmoins, le général lui demandera une chose, que Marseille obtienne 50 victoires afin de rembourser la voiture. Ce que Marseille accepta, non sans esquisser un petit sourire. Ses premières victoires en Afrique surviendront le 23 et 28 avril 1941. Cependant, le 23 avril, il sera abattu par le sous-lieutenant James Dennis avec son Hawker Hurricane. Marseille s'en sort que par miracle et réussit à atterrir en urgence. Chose incroyable, un mois plus tard, Marseille est de nouveau battu par James Dennis en vol. Imbu de sa personne, il se met à dos ses compagnons de vol car il n'a de cesse de quitter sa formation dès qu'il voit un ennemi. Cependant, on ne peut pas se passer d'un tel pilote. D'autant plus que Marseille s'auto-entraîne et se perfectionne. Il perd de nouveau 4 appareils, sans victoire pendant 3 mois. Hans Joachim est frustré. Néanmoins, il devient un maître de tir de déviation, c'est-à-dire tirer face à l'ennemi et de côté. Promu lieutenant en juin 1941, après sa 13e victoire, il est de nouveau abattu et doit atterrir dans le No Man's Land. Il revient après une longue marche dans le désert. Il est alors la risée de son groupe. Il prend conscience de ses devoirs de soldat et d'aviateur. Le 24 septembre 1941, après une bataille avec 2 escadrons de chasseurs britanniques, les Allemands s'en sortent sans perte et abattent 6 avions anglais, 4 à l'actif de Marseille. Il sera nommé Rottenführer. Enchaînant les victoires sur les Alliés, il s'assure, quand il le peut, du bien-être des pilotes abattus, en se rendant sur les sites de crash afin d'aider les aviateurs en détresse. Il n'hésite pas à réconforter ses ennemis, leur donnant de l'eau ou encore une direction de marche afin de pouvoir retrouver les lignes alliées. Un jour, il abat Pat Beyers du 451e escadron de la Force Aérienne Royale Australienne. Il décide de voler vers l'aérodrome de Beyers pour y déposer une note afin d'informer les Australiens de son état de santé. Profondément humain, il retourne informer les Australiens du décès de Beyers suite à ses blessures. Hermann Göring interdisait ce type de vol, mais son commandant ne fera jamais remonter l'information jusqu'à Berlin. Après la guerre, son camarade Werner Schröer déclara que son groupe aimait abattre les avions, mais détestait tuer les hommes. Mi-décembre 1941, Marseille est à 25 victoires et reçoit la Croix allemande en or. Son avion est envoyé en Allemagne pour être converti en variante tropicalisée, c'est-à-dire un avion adapté aux fortes chaleurs d'Afrique. Marseille était un virtuose inégalé des pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Ses réalisations avaient déjà été considérées comme impossibles et n'ont jamais été dépassées par personne après sa mort. Citation d'Adolphe Galland, commandant la chasse allemande à partir de 1942. Marseille est devenu un sportif de haut niveau. Il a musclé ses jambes et ses abdominaux afin de tolérer les jets importants en vol. Il porte des lunettes de soleil avec protection latérale pour améliorer sa vue. Les pilotes alliés avouaient même que personne dans les airs n'avait la tactique de Hans Joachim Marseille. Il réalisait des techniques aussi difficiles que de tirer dans un virage.
En février 1942, il obtient sa 50e victoire, ce qui lui vaut la croix de chevalier de la Croix de Fer. Il devient alors Oberlieutenant et Staffelkapitän du Drei Jägdschwader 27. Le 13 mai 1942, il échappe de nouveau à la mort au sud de Gazala, en abattant tout de même deux avions ennemis. Le 30 mai, il est à 65 victoires. Lors d'un combat, il ne voit pas le parachute de son ennemi se déployer. Il décide alors d'atterrir sur la zone du crash. Il marque la tombe, récupère les papiers pour informer les camarades de ce dernier. Il perfectionne encore et toujours sa tactique de vol et empile les victoires. Le 3 juin 1942, il attaque seul 16 avions alliés où se trouvent 3 as, Parr, Golding et Botha. Il réussit à abattre 6 avions, dont 5 en 6 minutes, et compte 75 victoires. Il reçoit alors la croix de chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne le 6 juin 1942. Il est alors le 97e militaire à recevoir cette décoration. Devenu une célébrité en Allemagne grâce à la propagande nazie qui le transforme en vedette, il signe des autographes, fait la une des magazines, même les alliés le considèrent de la même façon, les Britanniques recevant l'ordre de ne plus l'attaquer ou alors en fort surnombre. Ils feront appel à Clive Caldwell, plus grand as allié en Afrique du Nord, pour essayer de l'abattre, en vain. Le 17 juin 1942, il est à 100 victoires. Il est décoré de la croix de chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne et glaive. Le 6 août, il voyage avec sa fiancée, Annelise Cooper, en Italie, et est décoré par le président du Conseil des ministres italiens à Rome. Il disparaît pendant son voyage. La Gestapo ouvre un dossier pour personnes disparues. Après la guerre, des rumeurs racontent qu'il avait été mis au courant du sort des Juifs. Cependant, la Gestapo aurait fait pression pour qu'il retourne se battre en Afrique. Le 23 août, il est de retour, mais la situation a changé en Afrique du Nord. Maintenant, la Luftwaffe est sur la défensive. Malgré ce tableau noir, le 17 septembre 1942, il abat 17 avions ennemis. Suite à cet exploit, un Volkswagen Kübelwagen lui est offert. Les Italiens peignent Otto dessus, qui veut dire 8 en italien, pour les 8 victoires obtenues pendant la seconde mission de la journée du 17 septembre. Arrivant à 132 victoires, il obtient la croix de chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne, glaive et brillant. À ce moment-là, il est le 4e militaire à obtenir cette décoration. Le 3 septembre 1942, il est touché par l'as canadien James Francis Edward. Ce dernier sera tué par un ami de Marseille 3 jours plus tard. Marseille perd un ami proche au combat, Hans Arnold Stahlschmidt. Sur la même période, sa sœur décède. Il apparaît renfermé, morose, plus rien ne sera pareil. Le 16 septembre 1942, il rencontre le général Feldmarschall Erwin Rommel, moment qui sera relaté dans le Die Deutsche Vorschau. Erhöhte an diesem Tage die Zahl seiner Luftsiege auf 158. Marseille arrive à un score incroyable de 59 victoires en 5 semaines. Mais la supériorité alliée est trop forte. En effet, sur le théâtre des opérations, les Allemands ont 112 appareils contre 800 pour les Alliés. Après sa 158e victoire, Marseille est effondré physiquement et psychologiquement, car il avait combattu face à un adversaire incroyable qui reste encore inconnu à ce jour, le battant grâce au soleil qui éblouira ce dernier et l'entraîna dans un crash. Méconnaissable, Hans Joachim n'est plus le même. Fatigué, stressé, il continue tout de même de se battre. Erwin Rommel lui demande de l'accompagner pour assister à un discours du Führer, offre que Marseille refusa sur le champ. Hans Joachim déteste Hitler et les nazis. Il trouvait le Führer étrange et il affirma devant des SS qu'il rejoindrait un parti si ce dernier valait la peine et s'il y avait des femmes attrayantes dedans. Petite anecdote intéressante, vers 1942, il se retrouve chez Willy Messerschmitt en présence d'Hitler et tout le gratin nazi. Excellent pianiste, il ne résista pas à jouer du jazz américain, ce qui mit le Führer dans une rage folle. Personnage atypique, il respirait l'humanité. Le caporal Mathieu, dit Mathias en allemand, Lutulu, prisonnier de guerre sud-africain noir, était devenu son assistant personnel en 1942, puis son ami. Par peur de certains traitements, il annonça à ses supérieurs, « Là où je vais, Mathias va. » Marseille demanda que s'il lui arrivait quelque chose, Mathias resterait avec l'unité et traité d'égal à égal.
Doté d'un nouvel appareil, Marseille tente d'engager le combat avec un avion allié, mais l'adversaire se retire du combat. Il décide de rentrer à la base. Son Messerschmitt Bf 109 G2 Tropical commence à se remplir de fumée. Asphyxié, il est guidé pour rentrer à la base. Passé les lignes allemandes, au niveau de la mosquée de Sidi Abdelrahman, Marseille estime que l'avarie est trop grande et décide de sauter en parachute. Son avion, en perte de vitesse, est en train de plonger. Il quitte le poste de pilotage. Malheureusement, sa poitrine heurte l'empennage de son avion pendant l'éjection. Il tombe verticalement et heurte le sol. Le premier témoin de la chute mortelle est le médecin du 115e Panzer Grenadier Regiment qui découvre le corps sur une large flaque de sang. En ouvrant la veste de pilote, il confirma Marseille grâce aux décorations. Son corps est placé à l'infirmerie pour que ses camarades lui rendent hommage tout au long de la journée. Il diffuse la chanson Rumba Azul qu'il aimait écouter. Les funérailles ont lieu le 1er octobre 1942 au cimetière de Derna. Le groupe de Marseille est nommé officiellement Marseille Staffel. Une petite pyramide est érigée par les Italiens sur les lieux de l'incident. Sur la plaque, en bronze, il est inscrit « Ici mourut, invaincu, le capitaine Hans Joachim Marseille ». En octobre 1989, une nouvelle pyramide est érigée à la place de l'ancienne, en présence de ses anciens camarades. Gracias.